Parlons des enfants qui jouent au hockey dans la rue. Ça fait partie du paysage, vous allez me dire, au Québec, mais ce ne sera plus le cas à Rivière-du-Loup, où une plainte de voisins mécontents a incité la ville à interdire ce jeu sur la voie publique. Et Ariane, on peut comprendre, ça ne fait pas vraiment l'affaire des parents. C'est exact. Dany Ducas, père de famille et aussi professeur d'éducation physique, s'est retrouvé au dépourvu mardi dernier quand une préposée à la réglementation est venue sonner chez lui pour lui annoncer que ses enfants ne pourront plus jouer au hockey dans la rue de leur quartier, sous peine d'amende pour la famille. Cette nouvelle a été un coup dur pour les enfants de M. Ducas, fervent défenseur de la pratique d'activité physique. De nombreuses familles partagent son sentiment d'injustice et de frustration, estimant que cette mesure va à l'encontre du mode de vie sain et actif qu'elles cherchent à encourager chez leurs enfants. J'avouerais que j'étais surpris d'avoir cette démarche-là de mon côté parce que ça fait quand même 2 ans que les enfants jouent dans la rue. Peut-être que c'est du nouveau voisinage qui s'est plaint, mais je pense qu'on a à revoir certaines réglementations au niveau municipal pour permettre aux jeunes de se réapproprier la rue. La ville de Rivière-du-Loup a souligné que cette décision n'était pas prise à la légère. Elle explique qu'elle vise à assurer la sécurité et le bon ordre dans les rues de sa ville. Bien qu'elle favorise la pratique sportive, elle insiste sur la nécessité de respecter les règles en vigueur pour garantir le bien-être de tous ses citoyens. J'ai parlé à plusieurs voisins du district Parc-Cartier qui m'indiquaient que la circulation était parfois difficile lorsque tous les enfants jouent dehors et qui parfois ne se mettent pas en bordure de route pour laisser passer les véhicules. La ville se dit ouverte au dialogue. Toutefois, Dany Ducas et d'autres parents ont donc l'intention de faire entendre ce soir leur point de vue aux séances du conseil municipal de Rivière-du-Loup. Au Québec, le Code de la sécurité routière interdit à qui que ce soit d'entraver la voie publique, mais depuis 2017, une municipalité peut permettre par règlement le jeu libre sur un chemin dont la gestion lui incombe. Merci beaucoup. Merci, au revoir.